passant, il est... Regardez, il est quelle heure? Il est 8h04. Fait on se lève et puis on va aller courir. Bon matin, je cherchais ma montre parce que elle sonnait. J'ai mis une alarme dessus parce qu'on va se lever puis on va aller faire une petite course. C'est le temps d'aller à l'extérieur là. Il annonce vraiment beau. Excusez pour la voix. Il annonce vraiment beau. Il annonce comme 2, moins 1, 3 degrés. Fac, on va s'élever, on va s'habiller, on va faire un bon café. Puis je vous revois à tout à l'heure. Ciao. On va arrêter là. Ah, ok. C'est fait. J'ai arrêté la petite alarme. Si vous avez de la misère à vous lever pour aller vous entraîner, là, une petite alarme sur une petite montre. Là, ça fait le... Ça fait la job. Fait que je vous revois tout à l'heure avec un bon café. Ciao! C'est le temps du petit café. Un bon café avant de commencer. On dirait que j'ai des oreilles de Mickey Mouse. vous pouvez mettre dans votre... Dans votre café, là, du sucre de canne. Sucre de canne. Que c'est des petits morceaux comme ça ici. C'est dur, dur. Fait que c'est du sucre qui n'a pas été raffiné. Fait que c'est du sucre de canne à l'état brut. Ça vient par petits carrés comme ça. Fait que l'avantage que je trouve de ces petits carrés-là, c'est que, tu sais, quand on a du sucre à profusion, là, comme ça. Du sucre comme ça, là, en grains. C'est facile de n'en mettre hein, dans le café. Tandis que ça, on dirait que ça vous oblige à être discipliné, de pas mettre trop de sucre. Fait que vous mettez un carré, tac, dedans. Fait que je trouve que ça nous aide à mettre moins de sucre en petits carrés comme ça. Parce qu'on dirait en cuillère, là, on sait jamais combien en mettre, là. Tu sais, des fois, tu en mets 2 cuillères, puis là, tu te dis, ben voyons, c'est parce que j'ai changé de café, c'est moins sucré, ou le lait, finalement, tu en mets d'autres. Mais ça, on dirait que juste de voir le carré, tu as comme des remords de mettre ce gros carré-là. Mais dans le fond, c'est une cuillère à sucre. Fait que vous mettez ça là-dedans, puis vous en avez assez. Fait qu'on va prendre un petit café, puis on va aller faire une petite course avec Charlie, qui... Ça fait 10 jours qu'il n'est pas sorti à cause des froids extrêmes. Fait qu'il est juste ici dans les couvertures. Je sais pas si on le voit. Fait que, il va venir faire un petit tour dehors. Parce que c'était difficile là, pour les animaux ces temps-ci. Fait que je vous dis une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker. De me liker. De mettre un beau pouce bleu. Puis je vous dis une prochaine. Puis lâchez pas là. On a déjà commencé 2018. Fait que continuez votre entraînement, puis je vous encourage fortement. Vous allez voir, vous allez avoir des beaux résultats. D'ici au printemps, vous allez être fiers de vous. Ça va faire déjà 3 mois que vous vous entraînez. Fait que je vous dis une prochaine, puis ciao! On s'en va faire une petite marche avec Charlie. Il est équipé avec ses bottes. Ça doit lui faire du bien, là. Je pouvais pas sortir, c'était trop froid. Donc on a eu les moins 37, moins 40, là. C'est un petit moins 7 ce matin. Fait qu'on y va pour une petite marche avec Charlie. Et ensuite, on part à la course. Ciao!